La nouvelle saison culturelle de Bord de Seine a été dévoilée, une programmation placée sous le signe du changement, avec du jazz, de la musique urbaine et du théâtre notamment. Elle commence le 21 septembre avec le premier apéro mix, suivi d'un week-end rempli de surprises. Vous pourrez ainsi découvrir l'univers d'Agoro le 7 octobre et de Mademoiselle K le 1er décembre. En termes d'artistique, on a quand même quelques têtes d'affiche. Ça va de Pierre Richard à Catherine Ringer. Une programmation assez variée. On garde des choses qui ont fonctionné, comme les apéromix un jeudi par mois, qui sont gratuits, plutôt avec une scène locale, et une programmation d'artistes connus ou reconnus, une programmation d'artistes du Grand Est, et puis, comme on reste assez souple, si on a des demandes spécifiques d'artistes ou un artiste en résidence, on en profitera pour le mettre sur scène juste après. Un abonnement qui permet l'accès à des tarifs réduits a été imaginé, un moyen de renouer avec le public et de le faire revenir dans les salles de spectacle. Quand le grand blond ou le distrait passe à la télévision, je vous jure que c'est vrai, le lendemain, il y a toujours un couillonneau qui m'arrête dans la rue et qui me dit « Ah ben alors ça là, hein, j'ai pris un sacré coup de vieux depuis hier ».